Amis musiciens, bonsoir, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis soirs, je te propose un plan. Nous sommes le deuxième vendredi du mois, donc c'est plan de jazz. Pour cette fois, j'ai choisi un plan de smooth jazz. Smooth jazz. C'est un style de musique que j'apprécie particulièrement et donc je t'ai écrit un plan et je vais te le jouer et je vais t'expliquer ensuite comment tu peux apprendre à le jouer. Et ensuite, comment on peut aller beaucoup plus loin pour que tu puisses toi-même créer tes propres plans et commencer à improviser sur des grilles de smooth jazz. Ok? Allez, c'est parti! Ch'toum! Alors, voici le plan. Donc, c'est le plan que j'ai écrit pour toi. Et donc, je vais te jouer. Alors, je vais te jouer en fait sur un harmonica diatonique bête de course en si bémol. Et donc, si tu as toi aussi un instrument si bémol, bah, tu peux refaire ce que j'ai fait. Si tu as par exemple un instrument do, eh bien, tu essaies de comprendre ce que je fais et tu peux transposer ensuite le plan sur ton harmonica, enfin, ou ton instrument en do. Ok? Donc, je te fais la démonstration et ensuite je t'explique comment tu peux apprendre à le jouer. Alors, est-ce que ce plan te plaît? Oui, tu veux apprendre à le jouer? Alors, je t'indique tout de suite comment tu peux apprendre à jouer ce plan. Alors, on va reprendre la partition. Donc, ce que je te conseille, c'est de travailler au métronome. Là, le tempo, c'est 66 à la noire. Et en fait, tu peux prendre ton métronome. Alors, moi, généralement, quand je commence à étudier un morceau, je prends 60. Alors, 60 ou 66, c'est pas très loin. Tu peux éventuellement commencer à 66 directement. Alors, si tu joues de l'harmonica, en fait, tu peux voir ici qu'il n'y a que des notes naturelles. D'accord? Il n'y a pas d'altération. Donc, voilà. Donc, tu peux jouer, en fait, effectivement, ce plan sans aucune altération. Si tu préfères le jouer dans le grave, à ce moment-là, tu vas avoir le Fa, ça va être le 2 altéré deux fois. D'accord? Mais si tu joues dans le médium aigu comme je l'ai fait là, bien en fait tu n'as pas besoin d'altérer puisque les notes, hein, ici c'est 5 soufflés, 5 aspirés, 5 soufflés, 7 aspirés, 6 soufflés, 5 soufflés, 4 soufflés, 6 soufflés, 5 soufflés, 5 aspirés, 5 soufflés, 4 soufflés, 6 soufflés, 4 aspirés, 3 aspirés. Là, tu peux faire 3 soufflés ou 2 aspirés, comme tu veux. Ensuite, 2 soufflés et 3 aspirés. 4 soufflés, 3 soufflés, 2 soufflés, ou 2 aspirés, 2 soufflés, comme tu veux. Mais c'est plus simple de le faire comme ça. Voilà, donc ça, c'est le prolongement de la note précédente. Donc, pas la peine de remettre la tablature ici. Donc, ensuite, 3 soufflés, 2 soufflés, 1 soufflé, 2 soufflés, 3 soufflés, 3 aspirés, 2 aspirés, 2 soufflés, 2 aspirés, 3 aspirés, 4 aspirés. Ok? Voilà. Donc, ça, tu vois, pas de notes altérées que des notes naturelles, soufflés, aspirés. Alors maintenant, comment travailler? En fait, il faut bien repérer les temps. Donc, les temps, donc, c'est du 4 temps. Quand on voit C à côté de la clé de sol, ça veut dire 4 temps par mesure. Donc, les temps, les voici. Premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Moi, ce que je te propose de faire, c'est d'abord de travailler tous les rythmes sans les liaisons. Mi, Fa, Mi, Mi, Si, Sol. Voilà, tu travailles comme ça. Et après, tu ajoutes la liaison. Mi, Fa, Mi, Si, Sol, Mi. Okay? Alors attention, quand tu vois, donc là, je te mets tous les temps, si tu veux. Là, c'est le premier temps. Alors là, comme c'est, en fait, quand on voit croche et puis ensuite noir pointé,
En fait, c'est comme si on avait deux croches et la seconde croche est liée à une noire, d'accord? Donc, ce qui fait que le premier temps, effectivement, est ici, et ensuite, le deuxième temps, en fait, il arrive dans le prolongement enfin, il arrive sur la noire, en fait, mais la noire, là, en fait, quand on voit la noire pointée, ça veut dire que c'est la croche et qu'il y a une noire. Donc, c'est quelque part ici, quoi. Ensuite, le troisième temps arrive ici. Donc, en fait, tout simplement, pour jouer ce rythme-là, hein, ben, ce que tu fais deux croches et tu prolonges jusqu'à ce que le troisième temps arrive. Et quand le troisième temps arrive, tu joues le quatre soufflé. Okay? C'est comme ça qu'il faut le penser. Okay? Donc, ensuite, le quatrième temps est ici. Bon, après, c'est pas difficile. La blanche montée, c'est trois temps et la noire, c'est un temps. Là, c'est pareil, c'est trois temps. Le quatrième temps, donc, arrive ici. Après, deux temps pour la blanche, un temps pour la noire, et ensuite le quatrième temps arrive ici. Là, c'est trois temps pour la blanche pointée, et le quatrième temps arrive ici. Pareil, blanche pointée, quatrième temps arrive ici. Là, on a deux temps ici. Là, c'est le troisième temps, et ensuite le quatrième. Ça, c'est le premier temps, c'est le prolongement de la note précédente. Deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Okay, donc, il faut bien. Et puis là, évidemment, c'est un prolongement sur 4 temps. Et vu que tu as le point d'orgue, tu peux même prolonger sur 6 temps ou 8 temps si tu en as envie. Donc il faut bien respecter les temps et bien savoir jouer entre les temps. D'accord? Bon. Travaille bien au métronome, les rythmes sur les temps, donc sur les bons temps. Et puis après, tu ajoutes les liaisons. D'accord? Voilà. Comme ça devrait t'aider à jouer cette partition. Si ça t'intéresse de découvrir comment j'ai écrit ce plan, comment je l'ai composé et comment tu peux t'en inspirer pour faire tes propres phrases et t'amuser sur la piste d'accompagnement que je vais te fournir, eh bien, je te propose de partir en exploration. Nous allons ensemble explorer le plan. Donc, je vais tout décortiquer devant toi. Je vais t'expliquer le matériau musical que j'ai utilisé. Tu vas voir, c'est en fait très simple. Ça paraît pas simple comme ça, mais c'est un matériau musical très simple que j'ai utilisé. Et je vais t'expliquer comment j'ai fait donc pour partir de ces matériaux et faire ces jolies phrases musicales. Et je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux faire tes propres phrases. Et ensuite, nous prendrons deux autres exemples avec le même matériau musical sur deux grilles différentes. En fait, il y aura trois grilles. Donc la grille, c'est-à-dire ce qu'on appelle la grille, c'est les enchaînements d'accords. Donc la grille sur laquelle j'ai fait le plan jazz numéro 17 que je viens de te présenter. Et les deux autres grilles pour trouver encore deux autres exemples avec le même matériau musical. Et évidemment, des phrases musicales différentes. Et avec tout ça, ben, tu auras une bonne connaissance et ça te permettra, sur les trois grilles, de vraiment t'amuser à faire tes propres phrases, d'accord, sur ton instrument. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, tu trouveras le lien dans la description et pour pouvoir accéder à ton cours. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, tu vas arriver sur une vidéo de cours. Et donc, je vais te montrer ce que je fais, je vais te faire la démonstration et tu pourras même télécharger des ressources. Donc, les ressources que tu pourras télécharger, eh bien, ce sont toutes les partitions avec la tablature. Donc, la tablature pour harmonica. Alors, si tu n'es pas harmoniciste, bah, tu peux, si tu lis en clé de sol, pour toi, ce ne sera pas difficile. Donc, partition plus tablature. Je vais aussi te fournir donc, la piste de démonstration à l'harmonica avec la piste d'accompagnement. Et les pistes d'accompagnement toutes seules. Donc en fait, tu vas avoir, donc pour chacune des trois grilles, tu vas avoir donc la partition et la tablature de chaque solo que j'aurai écrit devant toi pour te faire comprendre comment on utilise le matériau musical qui m'a servi à faire le premier plan. Donc tu auras les trois partitions avec les trois tablatures en dessous des notes. Et tu auras aussi six pistes d'accompagnement, c'est-à-dire deux pistes d'accompagnement par plan, puisque sur chaque piste d'accompagnement, j'ai fait. Enfin, sur chaque plan, plutôt, j'ai fait la piste d'accompagnement pour les instruments si bémol et pour les instruments en do. Voilà, tu es gâté. Ok? Donc, si tu veux explorer le plan avec moi et comprendre comment toi-même tu peux créer tes propres phrases musicales et improviser sur les enchaînements d'accords que je vais te proposer en smooth jazz, eh bien, tout simplement, tu cliques sur le lien dans la description. Et voilà, donc tu pourras accéder à ton cours. Ok? On fait comme ça? Allez! Je te dis bah, à très vite de l'autre côté pour démarrer le cours avec toi et bien évidemment, bonne musique!